Ça part en live spécial Datcha Mandala sur TV7. C'est maintenant. Je vous avais reçu dans cette même émission en version acoustique, c'était chez Darwin. Vous avez joué en acoustique à l'époque de la sortie de l'album Rock, R-O-K-H. C'était il y a 3 ans. L'album avait été enregistré complètement en analogique. Est-ce que c'est toujours le cas ou il y a un peu de numérique sur le nouveau ? Là, on a pris le parti de ne pas tout faire analogique, justement, ouais. Parce qu'on voulait un peu, pour ce nouvel album, avoir un son un peu plus moderne, un peu plus dans les standards rock actuels. Donc on a fait un mélange, finalement c'est un peu un mélange des deux en fait. C'est le meilleur du numérique et le meilleur de l'analogique. Et on est content du son. Et toujours Clive Martin derrière la console ? Toujours, ouais. On l'a fait au Black Box Studio, par contre, c'était à Angers, c'est ça ? À Angers, exactement, ouais. Pas loin. C'était donc Clive, ouais, qui nous a fait le son encore une fois. Pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas Clive, c'est quelqu'un qui a fait le son juste des Cure, entre autres. Oui, il a bossé, il a une carrière assez longue. Il a travaillé donc avec les Cure, il a bossé avec Queen, avec Tom York, le chanteur de Radiohead, avec Midnight Oil, avec le chanteur des Electric Light Orchestra, avec Billy Idol. Oui, les conférenciers, il a fait les Négresses Vertes. Au dossier de presse, cet album veut affirmer la contribution du groupe à l'éveil de la conscience écologique. J'ai vu que tu n'avais pas de bouteille en plastique lorsque tu as bu un peu d'eau sur scène, tu as ta gourde, perso. Tous les trois. Ouais, des fois on les oublie. Voilà. Ouais. Des fois on les oublie, mais on a nos gourdes perso. C'est un sujet qui nous est cher depuis quelques temps, avant que ce soit la mode et tout ça, et c'est tant mieux que ce soit la mode finalement. Et du coup, le premier morceau qu'on va sortir en clip le 14 mars, donc très bientôt, c'est ça, c'est le 14 mars. 24 mars. 24 mars, puisque l'album sort. Ah, la date a changé. Il y a plein de trucs. Tu sais pas, tu me demandes. Voilà. T'es plus au courant, parce que tout change. Voilà. Il y a beaucoup de 4, il y a le 4, ça devait être le 14, après ça bouge, peu importe. Notre prochain clip. On vendrait donc 4 millions d'albums. Exactement. C'est ça. 24 millions. On nous a dit 24 à l'oreillette. Attends. Et voilà, c'est un morceau, on a envie de parler de ça, on a envie de l'exprimer aussi, de l'exorciser de la même manière. Il n'y a vraiment pas du tout d'après de prise moralisatrice, c'est vraiment, on est tous acteurs et contributeurs en fait de ce changement ou de climatique, quel qu'il soit. Et nous on se pose des questions qui sont ouvertes en fait. Giuseppe est responsable rayon des batteries ici chez Musique Audio Shop. Toutes les formes, toutes les couleurs, toutes les matières. Alors toi, de toutes les matières, c'est laquelle, celle que tu préfères ? Moi, j'aime bien le maple, donc l'érable. Après, bon, pour une version rock, le bouleau, c'est pas mal aussi. Pour tous ceux et celles qui démarrent la batterie, il y a plusieurs types de matières, plusieurs types de bois qui composent les batteries. Voilà. Alors, il y a de l'érable, il y a des érables hybrides, il y a des bouleaux. Des érables électriques, donc ? Non, hybrides. Ah ouais, hybride dans le sens où on va mélanger les essences de bois, on va mettre de l'érable et puis des bois africains qui vont venir durcir l'érable et lui donner un petit peu plus de coffre à la batterie.
On va imaginer, je suis ado, je veux jouer de la batterie, je veux jouer du rock'n'roll. Quel type de batterie là tu me ferais choisir? À la mode en ce moment, ce sont des batteries avec deux tomes basses. Pour tous les téléspectateurs de TV7 qui nous regardent, ou peut-être pour leurs enfants qui aimeraient démarrer à la batterie, il faut compter un budget de combien quand on veut démarrer? Alors pour une batterie acoustique, au moins dans les 500-600 euros, quoi, avec les cymbales, mais des cymbales de cette qualité-là. Music Audio Shop, nos hôtes, finalement, pour sa part en live, avec Patrice, responsable du magasin. Tu aimerais qu'on parle d'informatique musicale, l'informatique qui se met au niveau de la musique, qui se met au service de la musique. Ouais, c'est ça, tout à fait. Maintenant, des gros studios, aujourd'hui, sont un petit peu embêtés, parce que n'importe qui, chez soi, peut monter son petit studio. Alors, c'est pas les gros studios comme chez Zavout, c'est pareil. Mais maintenant, chacun peut faire de la musique, un petit clavier, un ordinateur, des banques de sons sur l'ordinateur, et c'est parti. On fait de la musique, on fait une première prise, et ça, on a un guitariste, un batteur, un trompettiste, à minuit, à 2h du mat, on fait comme on veut. Alors, est-ce que ça veut dire concrètement que maintenant, sans talent, tu peux faire de la musique? Non, 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 ça remplace. D'ailleurs, on n'en vend pas de talent dans le magasin. On a toujours... Ça se saurait. Oh, ça se saurait. Non, bien sûr, le talent, ça, c'est... Mais tout le monde a du talent, un petit peu, beaucoup, tout le monde a du talent. Il ne faut pas avoir peur Beaucoup de gens font de la musique, tout un monde, ils ont peur. Comme là, bon, Dacha Mandala, ce qu'ils ont joué, c'est génial. Et ça fait peur à des gens, et ils disent c'est compliqué à faire. Non, pas du tout, c'est très facile. Le coût peut faire peur? Justement, non. Maintenant, sur un ordinateur, une carte son, c'est moins de 100 euros. C'est accessible réellement. Alors qu'avant, il fallait les cartes son qu'on a aujourd'hui, il fallait 3000, 4000 euros avant. Aujourd'hui, c'est moins de 100 balles. Ara, centre du corps humain dans les traditions chinoises, source principale du souffle vital. En fait, c'est quoi? C'est le centre de gravité du corps? Exactement. C'est le titre de l'album? Ouais. Ouais. Pourquoi Ara, alors? Ara, c'est le deuxième chakra, ouais, du corps, deuxième centre énergétique. Comme tu l'as dit, c'est notre deuxième album. Et effectivement, quand on est centré sur lui, on est serein et centré. On le voit, par exemple, quand on est dans le bus et que le bus freine. On peut soit bouger, soit rester ancré. Et c'est là où on a notre instinct et le souffle vital. Et c'est japonais. C'est le terme arabe. Il y a d'autres termes aussi, comme harakiri, c'est aussi le ventre ou la maison. C'est moins sympa déjà. Voilà, c'est... ventre, maison, machin. Ouais, harakiri, voilà. Ah, harakiri, oui, bah oui, c'est ça. Et du coup, on a posé une question dans l'album, effectivement, ouverte, comme disait JB. On voulait faire de façon un peu à la fois philosophique et imagée, ouais, de se dire, est-ce que le possible effondrement de notre civilisation thermo-industrielle ne serait pas le résultat du fait que l'humanité soit coupée de son propre ara? Voilà, de son équilibre, de son centre. Alors, l'album sort dans les bacs, comme on disait il y a 20 ans, le 24 avril. Il est précédé d'un clip qui sort le 24 mars, je crois. Hein, c'est ça. Alors, c'est le clip de quel titre? De Stick It Out, le premier qu'on a joué ce soir, cet après-midi. Ouais. Quelques mots pour terminer sur Music Audio Shop qui ont la gentillesse de nous accueillir aujourd'hui. Ils sont cool, hein? Ils sont hyper cool. Giuseppe et Guillaume, c'est des bros. C'est des bros. Hyper content que ce magasin ait ouvert ici.
à Mérignac, entre Mérignac et Bordeaux. Ouais. C'est vraiment super. Ouais. Et acheter les instruments dans les magasins de musique. Ça fait trop de mal d'acheter sur Internet les instruments de musique. Et puis, il faut être en contact avec les vendeurs qui te conseillent les instruments que tu peux toucher, essayer. C'est génial. Et puis, l'endroit est excellent. T'es bien accueilli. Fin... Eh ben, ça sera le mot de la fin. Merci. C'était Datcha Mandala. Merci, ça part en live.